Donc voici les cartes du joueur habitant. Donc une carte verte, donc au nombre de 3 sur le plateau de jeu, qui représente au début du jeu donc des jardins. Des jardins donc avec des besoins en eau en été et en automne, et des rejets donc, bien sûr en eau au milieu naturel qui lui sont associés. Un jeton temps puisque l'habitant doit consacrer du temps. Donc là, c'est du temps de loisir, on va dire, donc à son activité donc, dans les jardins.